Ouais, la famille. Non, je suis en direct. Hein. Alors, attendez, vérifiez d'abord qu'on vous entend. Ouais, c'est bon. Non, non, je suis en direct. Je vends les cartes de Wayoni. Vas-y, la mère, je t'écoute là-bas. Ma mère, mais je suis en direct sur le téléphone. Mais je vous écoute. Hein. Je suis. Non, non, j'ai les. Pourquoi vous sortez de l'appel? Mais j'écoute là, je suis en train d'écouter. Je vous écoute dans mon oreille. Mais regarde, je vous écoute là-dessus. Hein? Mais je. Mais non, je dis, continue à nous passer le truc dans mon oreille. C'est comment avec toi, non? Hein? Mais oui, non, c'est comment? Vous n'êtes pas multipolaire. Vous n'êtes pas perdu, dis donc. La mère continue à me passer la bêtise dans mon oreille, je ris. Et moi, je vends les cartes de Wayoni. Mais vous regardez alors les gens qui ont débarqué. Si vous croyez que quoi, qu'il y aura quoi ici? Les camères! Vous voulez acheter les cartes de Wayoni? Maman, il y a 22 personnes. Non, mais laissez ça. C'est ça qui m'intéresse, ce que j'ai dans l'oreille là. C'est comment avec vous, non? Je vends les cartes de Wayoni. Si vous avez vu les cartes de Wayoni, par contre, où sont les commentaires? Ah, vous m'entendez deux fois, c'est ça. Mais non, ne vous préoccupez pas du direct. Passez-moi, la mère, passe-nous la bande qui est en train de passer là. Ça me permet de rigoler. Hein? Oui, vas-y. C'est pour ça que je dis que vous êtes dans mon oreille. Donc, je ris. Hein? Oui, il faut écouter. Il faut que je sache où j'en suis. Je me rencarde de la famille. Où sont les. Mettez les commentaires ici. Je coupe le son ici chez vous. Bonjour Loris, comment vas-tu? Je vends les cartes de Wayoni, ma lost ma queue, ma lost ma. Ma lost ma queue, ma lost ma queue. Non, c'est pour vous montrer que je suis encore vivante. Hein? Non, non, c'était parce qu'il y en a qui paniquent là dans mon eBay. Hein? Donc, c'était juste pour vous dire que. Je suis toujours en vie. Non, vous inquiétez pas. Non, panique. C'est l'homme qui a peur. C'est le cœur du bandit qui bat. Et je viens vous dire que je suis détentrice des cartes de Wayoni. Ma lance, ma queue, ma lance, ma queue, ma lance. Il n'y a pas que ceux qui sont à Jambo qui sont fous. Il y a beaucoup de fous ici dehors. Hein? Même si vous êtes en situation de handicap mental, si vous remplissez les conditions, on peut vous donner la carte de la Wayonnais. Assez Niki. Je viens vous dire que non seulement je suis encore vivante, mais les cartes de la Wayonnais sont là. Donc, dites-nous eBay. Hein? Qui veut la carte de la Wayonnais? eBay. C'est sérieux, hein, comme la crise cardiaque. Vous avez vu, c'est tout beau et tout ça. Il y a même des autorisations. Hein? Hein, voilà. Nous ne faisons pas les choses à moitié. Mais je demande, hein, qui a le tchoronko ici? J'ai un direct dans l'oreille. Moi, je vous entends. Non, non, moi, je vous entends. Je vous entends. Oui. Mais sauf qu'il y a quelqu'un qui a un tchoronko là, ça fait beaucoup de bruit. J'ai l'oreillette, non? Regarde. Il y a les kits main libres sur le deuxième téléphone. Qui veut. Non, non, je ne suis pas le tchoronko. Ma Anne, tu ne veux pas la carte de Wayoni? Laura. Hein? Coucou.
Malos Marque, Lauriane. Malos Marque, c'est même gratuit. Hein? Malos Marque. Comme ça, je vais changer de profil, de photo de profil. Vous avez vu, au fait, vous avez vu ma photo de profil? Vous n'avez pas commenté ma photo de profil? Ah, vous êtes de mauvais côté. Hein? Hein? Ah, dama, on peut pleurer comme ça. Ça encore des dames. Crying river. Pardon. Hein? Pleurer les lames, pleurer les rivières. Ouais, moi, je viens tout me la carte la voyonne. Gratuitement, c'est gratuit. Hein? Si, mais vous, si vous voulez, vous pouvez payer en étoile ici. Hein? Hein? Les cartes de Wayoni, là, vous avez vu. Je viens vous présenter ça officiellement. Il faut vivre, faire vivre la page. La mère, je coupe. Hé, la mère, tu veux que je coupe? Hé, mince, tu veux que je coupe? Hé, la mère. C'est vendredi en plus. Est-ce que vous connaissez le titane? Qui connaît le titane? Quel détail? Toi, tu as vu les détails où? Hein? Moi, je parle des quartiers de la Wayuni. Pardon, mon frère. On apprend au vieux CSN, j'ai fait la grimace. Hein? Mon frère, est-ce qu'on apprend au vieux singe à faire la grimace? Moi, si là. Tu veux les détails de quoi? Hein? Tu veux les détails de quoi? Le sujet que je maîtrise le mieux, c'est ma propre vie. Tu veux les détails de. Si tu veux les détails de ma vie, tu me dis. Hein? Tu veux comment je pose des questions? Je réponds aux questions ici. Vas-y. Il y a quelque chose que tu veux savoir. Hein? Non, nous sommes mais la Wayonie. Le caporal mouillé coulé est le père de la Wayonie. Nous, nous assumons tout. Hein? Non, Roger, tu veux me poser la question? Mais allons. Question, question-réponse. Vas-y, je t'en prie. Hein? Je crois de boire, crois de faire, je réponds honnêtement. Ou si ça ne me concerne pas, je botte en touche. On est d'accord. Tu veux savoir quoi sur ma vie? Qui a une question à me poser? Qui veut savoir quoi sur ma vie? Ah, modalité des cartes. Tu demandes seulement, tu as seulement, on t'envoie ça eBay. Tu as seulement sur la page des Amazon ici, on t'envoie ça eBay. Par contre, si tu as des choses à. Si tu as des questions à me poser sur ma propre vie, ah, je vais te dire. Hein? Ah, il n'y a pas de mystère. Moi, ma vie n'est pas un mystère. Du tout, du tout. Il n'y a rien dans ma vie que je n'assume pas. Je dis rien, puisque c'est ma vie. Si tu n'assumes pas, tu fais comment? Hein? Je dis bien qu'il n'y a rien, que ce soit par accident, que ce soit de par ma décision. J'assume ça. Bon, la seule chose que je n'assume peut-être pas, c'est tout ce que je dépose aux toilettes. Parce que tu très vite la chasse d'eau. Une fois que tu as fini de manger, tu déposes aux toilettes. Ouais, tu tires vite la chasse d'eau. La seule chose avec laquelle je ne cohabite pas, c'est ce qui sort par le dégagement qui est par où je m'assois là. Voilà, c'est tout ce que je n'assume pas. Alors, si tu me dis que, est-ce que c'est le tien, je vais dire que, moi, je ne fais jamais. Quand moi, je fais, c'est la rose. Quand bien même. Ça arrive, ça sent la rose. Hein? Tu as l'impression d'être à Grasse, la capitale du parfum. Hey, la vie, la vie, c'est le lait. Hein? Au lieu d'aller faire le Congo, ça, il faut venir me poser la question. J'ai grandi dans une petite ville. Je suis quasi quasi la photocopie de ma mère. Quasi même les ongles même. Quelqu'un qui m'a dit qu'à Wanda, que tu as même les ongles de ta matière. Dit que, bah oui, moi, on ne pouvait pas me choisir. Ma mère allait vite me retrouver. Donc. Ah. Et c'est chez moi que vous cherchez. Où tu vas trouver ça, la mère. Ma Josiane. Hein? Moi, je ne cherche pas puisque c'est moi qui l'ai fait. Comment est-ce que je peux chercher ce que moi j'ai fait? Mais par contre, vous avez plutôt intérêt à chercher. Hein? J'entends dire qu'il y a des menaces qui sont en train de fuser quelque part sur la toile là. Vous savez que pour moi, ça sort souvent sans avertir, non? Quand
certaines personnes vont se retrouver en citation directe là, parce que vous menacez moi de tout ce que vous voulez, hein, mais bon, les menaces de mort, à un moment où il faut prendre ça très au sérieux. Et je vous signale que la France est en mode trembler. Non, non, soyons sérieux, bipez un certain nombre de personnes là. Pour ceux qui sont en train de faire des menaces de mort là, je vous signale que là, les Doumyibé, oui, les crevettes là, les personnes qui ont la merde à la place du cerveau, je vous signale que la France est en mode vigie pirate. Donc, quand vous vous mettez sur la toile comme ça, vous menacez d'en finir avec d'autres, vous êtes susceptible. Hein? L'école est bien. Bonjour, propre. L'école est bien. Je viens tirer sur... C'est un conseil d'une mère, là. Elle m'a conseillé de lancer un direct pour mettre des O sur des I. Oui, comme vous ne suivez pas vos propres vies, vous vivez en Europe, là, vos cervelles sont aux 237. Vous êtes ici tel des bouffeurs d'oxygène. Hein? Nous sommes en mode vigipirate en France. Donc, les menaces là, il ne fait pas bon menacer. Et c'est nous qui sommes dans une histoire politicarde. Hein? Nous sommes dans l'activisme et tout. Et la France sera de plus en plus dure avec les extrémistes. Donc, les Doumkoff là, je répète et j'articule, les Doumkoff qui sont en train de menacer d'autres personnes là, que je vais en finir avec toi. Parce que le Camer, lui, on lui a pas appris à régler des choses autrement. Des killers en futur, killers en série. Hein? Moi, les menaces, Seigneur, déjà pour me cacac, il va falloir que tu me surveille souvent pour voir mon itinéraire, parce que moi, ma vie est d'une monotonie à chier. Donc, pour en finir avec moi, il faudra venir me chercher à Lyon. Ben, il faudra avoir de l'argent pour payer le TGV, venir me chercher à Lyon. Donc, vous allez finir avec moi, pas loin de chez moi, parce que moi, je ne me balade pas. Vous pouvez menacer, bon, dans la sorcellerie, alors ça risque pas d'arriver. Je n'y suis pas du tout. Ce sont mes ancêtres que vous allez rencontrer là-bas. Hein? Pour en ce qui concerne la sorcellerie, mais alors j'ai peur d'un certain nombre de choses dans ma vie. J'aime la phobie des cercueils, quoique j'ai dû subir une hypnose pour régler ce problème. Oui, j'avais la phobie des cercueils, mais j'ai pas la phobie de beaucoup de choses dans ce monde. Donc, je dis, je suis dans un pays de droit. Si tu as une paire de nichons, une paire de couilles pour me courir après et en finir avec moi dans la rue, l'État va se charger de ton fuck-up, tout simplement. Par contre, pour ceux qui pensent qu'on peut finir avec quelqu'un d'autre, en mode, j'entre dans la manne et je ressors par l'omfundi, je vais faire un petit tour à Etouri et je me réveille dans mon lit. Pour ces personnes-là, qu'elles sachent que chez nous, il est interdit d'aller dans des choses un genre. Il y a un pacte qui a été scellé chez nous là, hein, dans mon clan. Il se dit qu'un albinos avait été enterré vivant. Donc, comme moi aussi j'ai des ancêtres quelque part enterrés dans nos cimetières, au village, quand tu vas vouloir un djoumla dans des choses, un genre que moi je ne vois pas, tu vas rencontrer mes ancêtres là-bas qui vont se faire un malin plaisir de te donner une leçon de vie. Je suis très sérieuse comme la crise cardiaque. Pour ceux qui ne sont pas au courant, nous sommes en mode vigipirate en France. Donc, il ne fait pas beau menacer. Il ne fait pas beau. Je le dis, hein. Même les Doumkoff, hein, ne sont pas censés ignorer la loi. Personne n'est censé ignorer la loi. Donc, pour les Douma, les Doum profonds là, hein, le genre qui fuse de partout là, et que tu recules même leur doumerie là, tu mets dans des boîtes et tu le vends. L'école est bien. L'école est bien. Ceux qui menacent de Kilam là, Dieu seul sait pourquoi. Vous menacez de Kilam, même quand tu as les raisons.
tu pourrais avoir des circonstances atténuantes. Il est interdit de kilam. Ouais, dis ça comme ça, il dirait. Donc, ne vous inquiétez pas. Allez déposer une plainte, pourquoi? Ça va mourir dans son propre film. Ah, vous voulez que j'aille déposer une plainte, pourquoi? Pourquoi? Hein? Ben, par contre, si je me retrouve face à une tentative de kilam, ah ben là, hein, vous savez, vous avez eu mal aux cheveux, vous avez eu mal aux cils, mal aux ongles, ah ben, y a des personnes qui vont vivre dans une prison toute leur vie, même après avoir purgé la peine. Dès que vous allez travailler comme ça, ma main sera là en train d'attendre votre salaire. Ben oui, l'école est bien. L'école est bien. Si ma tête t'énerve, tu zappes. Si ça t'est, il t'est insupportable de savoir que je vis dans ce bas monde, bah, il y a le feu d'à côté. Hein. Jusqu'à preuve de contraire, se suicider, c'est pas un crime. Se suicider, c'est pas un crime. Tu peux te louper et personne ne va t'enfermer, c'est ta vie. T'en fais ce que tu veux, tu peux te torcher avec. Que ce soit bien clair. Je vois les gens, Pamela, là. Il y a les uns, il y a les autres. C'est pas la peine de s'embrouiller, c'est que voilà. Oh non, non. Porter des accusations, ça, j'en ai rien à battre. Vous pouvez même m'accuser d'avoir violé mon arrière-grand-père que je n'ai pas connu. Vous pouvez. Hein? Tant que c'est dans vos têtes. Tant que c'est dans vos têtes. Vous avez vu l'autre gérer vos folies. Est-ce qu'on gère la folie de l'autre? On est fou par procuration. Non. Non, quand ta tête pâme là, tu es seul. Tu es seul. Donc, carte de Wayoni. Malos, ma que c'est gratuit. Vous pouvez payer en étoile ici, ça vous dit, mais c'est gratuit. Oui. La carte de Wayoni, elle est nyangalement faite. Avec l'autorisation, les autorisations et tout, et tout, et tout, et tout. Non, 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 ne vous inquiétez plus. Ça me touche vraiment d'avoir autant d'alertes parce que moi, je n'écoute pas. Ça me touche énormément. Mais dites-vous que je suis une personne pragmatique et je vis dans le monde réel. Je ne vis pas dans les têtes des gens. Donc, s'il y en a qui pensent avoir des griefs, il y a des tribunaux. Allez déposer des plaintes. Allez déposer des plaintes. Par contre, me menacer ici ne vous mènera nulle part. Oui, c'est parce que si moi, je dois déposer, ce sera citation directe. Je ne vais pas attendre 10 ans. Non, 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 du tout. Et il ne faudra pas venir pleurer après. Nous sommes dans des pays de droit. Si certains ont réussi l'exploit de laisser leur cervelle au-dessus de l'équateur là-bas, dans ce pays continent appelé Cameroun, ben c'est votre problème. Moi, je suis partie avec tout, hein. Le jour où je suis partie, avec toutes les bénédictions qu'il y a avec là-bas, hein, je suis partie pour ne pas forcément revenir. Hein. Donc, non, 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 non. Ma mère ne me disait pas, tu, non, pourtant j'ai ma chambre là-bas. Pourtant j'ai ma chambre là-bas. Mais c'était quasiment un départ sans, non, 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 non. Je venais faire, c'était un départ pour faire ma vie. Pas forcément en France. Peut-être en revenant au Cameroun, mais c'était un départ pour aller faire ma vie, pour voler de mes propres ailes. Bon, avec le soutien de ma mère, mais pour voler de mes propres ailes. Et je suis partie avec tout. Ce que j'ai d'abord pris, c'était, avant ma valise, c'était mon cerveau. Faut bien se le mettre dans la tête. Les bêtises, des bas-fonds que je vois souvent là, mais il faut arrêter. On ne peut pas vous changer, ça c'est sûr. Pendant un bout de temps, il y en a qui ont réussi à brider ça. Parce qu'au milieu des personnes censées. Mais une fois que vous sortez de l'endroit où les gens sont majoritairement censés, ben oui, vous redevenez ce que vous êtes. Et ça, ce n'est pas de mon ressort de... Non, je ne suis pas là pour soigner les malades, les gars. Je ne suis pas là pour soigner les malades. Non, cessez de vous inquiéter. Ceux qui brandissent les menaces sont responsables de leur dire... Une convocation, formation. Eh, Seigneur, toi, tu sors encore d'où, là? Non, il n'y a pas raté la formation, là. Ah, oh, ça va. Et quand alors, non? Alerte, formation. Nombreux agents.
De nombreux agents n'ont pas de carte professionnelle, une carte d'identité, une carte d'identité. Pourquoi? Pour accéder à quoi? Il y a quoi? Mais je suis pas. Ah oui, parce que je vous ai dit, nous sommes en mode vigie pirate. Pour entrer dans nos bâtiments désormais, il faut avoir sa carte professionnelle ou avoir son badge. Mais il y en a qui n'ont pas de carte professionnelle. Donc on leur dit que la convocation suffira. Vous êtes en bain. Des pays gérés. Que ce soit clair pour tout le monde, pour ceux qui n'étaient pas au courant. Vigie pirate est rouge. Hein? Vigie pirate est rouge. Bah après, si vous voulez menacer la France et la Navarre, ça c'est votre problème. Et tout ce que je vous dis, c'est si demain vous vous retrouvez en mode lecture de l'heure, il ne faudra pas dire que vous n'étiez pas au courant. Il ne faudra pas dire que vous n'étiez pas au courant. Donc voilà. Toutes les communications là maintenant, contrôle entrée à l'accueil de Jaurès, alerte. Il y en a qui sont là, ils racontent leur mère. Ah. Oui, si tu n'as pas la. Tu ne badges pas, tu n'as pas de carte, tu. Non, non, tu n'entres pas dans le bâtiment. Non, on ne gère pas les bêtises. On ne gère pas les bêtises. Ah. Il y en a qui sont là. Vos petites personnes importent peu. Nous nous battons pour reconstruire une conscience collective. Donc, vos petites personnes, là, on n'en a rien à foutre. Hein? En attendant, ma loss ma carte de Wayoni. Non, c'était pour rassurer parce que s'il y a quelque chose qui me. Que j'aime pas, c'est. Voilà. Que, c'est bon de savoir que les gens s'inquiètent pour nous. C'est bon. Mais quand les gens là débarquent, c'est que tu crées beaucoup de désordre partout. Donc, ne vous inquiétez pas. Ces personnes sont responsables de leur dire. D'accord? Ces personnes sont responsables de leur dire. Tout ce que je tiens à leur rappeler, c'est qu'il ne fait pas bon menacer ces temps-ci. Parce qu'il y a des alertes partout. Il y a des choses qui déclenchent des alertes. Il y a des mots désormais. Quand vous prononcez ça, Baby Doumbi ça, oui, il est Doumala. Quand vous prononcez ça là, 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 dans cette boîte-ci, ça fait un guingon à l'autre bout. À l'autre bout du pays, à l'autre bout du continent, ça fait un glingling. Et vous occupez l'espace pour rien. Parce que vous occupez une personne qui devrait être sur une alerte, mais vraiment une alerte, pas une alerte de quelqu'un de siphonné qui a décidé de vivre dans sa tête, qui pense qu'il faut on peut menacer que une personne qui pense être au 237, un pays là où 99,99% des personnes n'ont ni foi ni loi. Hein? L'école est bien. Et quand on est doux, c'est réversible. Ici, là. On apprend à vivre comme des êtres humains. Et nul n'est censé ignorer la loi. Si vous voulez activer votre folie, là, attendez un peu que. Bah, après, je dis ça, je dis rien. Attendez que. Les alertes la passaient. Que Vigie Pirate redevienne, bon, on va dire même orange, hein? Parce que pour l'instant, là, c'est rouge. Dès que tu dis que tu vas finir avec quelqu'un, ici, là, on met les yeux sur toi. Donc, si je veux vous donner une leçon de vie, virgule, petite citation directe ces jours-ci, vous allez lire l'heure. Vous allez lire là, parce que moi, il comptait. Vigie pirate, là, c'est parce qu'un enseignant a été tué. Bon, après, vous rajoutez ce qui s'est passé en Belgique. Donc, quand vous menacez de finir avec moi, là, et en plus, pour des raisons, nous sommes dans quelque chose de précis, hein, pour ces raisons-là, vous pensez que ça va, hein? Vous pensez que ça va finir comment? Hein? Est-ce que vous pensez que ça va finir comment? Vous pensez qu'on va me supplier d'enlever ma plainte parce que vous êtes aussi l'enfant de quelqu'un ou la mère de quelqu'un? Est-ce que c'est ce que vous allez dire? Que je sache, a priori, vous avez tous vos sens et je dis a priori. Donc ne vous inquiétez pas, la famille. Pour l'instant, là, je laisse courir.
Parce que moi, on ne sait jamais par quelle porte je vais sortir, n'est-ce pas? Hein? On ne sait jamais par quelle. Vous avez vu que moi, je vous ai dit que quand moi je suis dépassée, je suis déjà monocordée. Je deviens même nonchalante quand je suis dépassée. Donc quand j'arrive encore ici, je bavarde même fort là, c'est que bah, je vous gère encore. Je suis quelqu'un de très, avec l'esprit très retors. Oui. Je peux, sans injurier, avec des mots basiques. Ah, Massa, mais la formulation de ça, ce sont les autres qui sentent ta douleur. Toi, tu ne sens pas. Hmm? Donc, laissez les gens s'embrouiller là-bas, les gens qui ont décidé de faire de leur cervelle un pellet. Ces mêmes personnes vont passer à table pour manger leur propre pellet. Hmm? Moi, je vous dis, j'habite, mais je n'ai même pas besoin de bouger pour déposer une plainte. Bon, pour que ça aille plus vite. Ouais, ouais, je vais là-bas, le greffe, il met le cachet comme ça, il prend ça, là, 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 là. Hmm? Là, 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 là. Je suis à 200 mètres du tribunal. Mais, ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Hmm? Pour le genre de folie, là, je traite ça autrement. Là, c'est là de la guerre. Tu pâmes la seule. Ouais, tu pâmes la seule. Allez, la famille, j'attends pour vous officialiser le lancement de la carte de Wayouni. Tu pâmes la seule. Non, 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 non. Oh, je dépose seulement et ça ne dit rien. Mais tu as l'impression qu'elle dit quelque chose. Elle ne dit rien. Les personnes censées vont dire que, mais c'est comment là? Tu en as trop dit ou passé. Mais toi, tu es là, ta tête fait gris. Je n'ai même rien fait. Ah non, 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 je n'ai rien fait parce que je suis quelqu'un de responsable, c'est tout. Et je n'ai pas besoin de faire. Hein? Je n'ai pas besoin de faire. Les gens qui disent, je vais te kilam, je vais te... Non, non, la meilleure des guerres, c'est la guerre psychologique. Le film d'horreur ne fait pas peur. Non, mais moi, je peux tout... Le film d'horreur, mais laisse tomber. Je peux dormir et mettre le film d'horreur à fond. Mais le film psychologique. Tu ne sais pas par où ça va sortir. C'est seulement la musique. La musique, tu es là comme ça. Tu me dis que ça va sortir, mais ça va sortir quand? C'est quand tu attends le moins que tu fais boum, le café. Mais quand c'est la découpe, je sais que c'est la charcutaille. On va lui couper le bras, merde. Tu lui coupes vite, on quitte dessus. Hitchcock, j'entends la musique, la musique, la musique. Il n'y a rien de... Il n'y a pas de sang. Non, mais le film psychologique. Et j'excelle dans ça. Moi, je dis ça comme ça. Dit, moi, j'avais dit toujours, pas que j'ai un traite. Donc, allez la famille. Carte de Wayoni. Malos ma queue. Malos ma queue. Malos. Allez, je repars au Congo, ça. Hmm? C'était une petite pause. Et pour dire, ne vous inquiétez pas. Je suis toujours debout. Hmm? Mais que nous sommes en mode vigie pirate. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Vous êtes avertis. Hmm? Pour ceux qui ne prennent pas certaines choses au sérieux, nous sommes en mode vigie pirate. Donc, il y a des mots ici qu'il ne faut plus prononcer. Je suis là pour la sensibilisation, n'est-ce pas? Même les Douma ont droit à la sensibilisation. Bah, c'est surtout pour les Douma que nous sommes là, nous autres. Allez. Bisous là-bas. J'attends ma carte, c'est pas moi qui fabrique. Hein? Allez, la famille. Ah, qui a, mon Dieu. Mais vous envoyez combien de mails juste par rapport à l'histoire de... Ah, nous avons compris, une convocation suffit, oui, vigie pirate. Oh là là, mais ces gens-ci, quand ils s'y... Je vous prie de bien vouloir... Oh ouais, tu seras absent lundi. Ok, excusez. Allez la famille, je rentre au boulot. Pour lundi, Madame Maria, excusez, copier. Ma voix Congo, ça est trop bon à moi. C'est juste une petite... Tu n'es pas toi au Congo, ça. Le Congo, ça fait du bien. Hein? Le Congo, ça fait du bien.
Mais de temps en temps, il faut faire un petit rappel à la réalité. Beaucoup de personnes ne savent pas que la France a agi pirate. Si, 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 si. Cessez d'être complètement... Vous allez occuper un agent qui est censé gérer une vraie alerte. Parce que vous êtes complètement starbé. Ben, ils sont tenus de vérifier un certain nombre de choses. Donc, cessez de raconter vos mails là. Vous ne pouvez rien faire à personne. Je répète, vous ne pouvez rien faire à personne. Donc, cessez de dire que vous allez faire. Tout ça, c'est la merde en bocal. Allez, bonjour ma Sylviane. Je repars au Congo, ça ma chose. Libérez-moi, libérez. Il paraît, hein? Libérez, délivrez. Rien ne sera plus jamais pareil. Libéré, délivré. La chanson là a agacé les parents ici dehors. Ah, Frozen. Eh, Port de l'Ouest. Est-ce que c'est à toi que je m'adresse? Port de l'Ouest, tu vas me faire relancer un peu le direct là. Vous n'avez pas besoin. Ça te concerne en quoi? Hein, Port de l'Ouest, comment tu viens chercher ta part de colis ici? Hein, pour créer la division. Mouf! Il y a d'abord l'union ou là? Hein? Est-ce que quelqu'un t'a... Je t'ai imposé la carte de Wayouni. Il a dit que si tu veux la carte de Wayouni, tu écris ici. Mais pourquoi est-ce que le français vous pâche comme ça? Il t'a dit que si tu veux la carte de Wayouni, tu demandes la carte de Wayouni. Ibé, qui t'a imposé la carte de Wayouni? D'ailleurs, est-ce que tous les Camerounais ont la carte d'identité? Hein? Même la carte d'identité divise au 237. Un port de l'Ouest. Il y a des Camerounais qui ont des cartes d'identité, il y a des Camerounais qui n'en ont pas. Il y a des Camerounais qui ont des actes de naissance, il y a des Camerounais qui n'en ont pas. Hein? Il y a des Camerounais qui choient à outrance, il y a des Camerounais qui crèvent la dalle. Nous sommes des enfants d'un pays de division. Donc toi, tu arrives ici, nous n'avons pas. One za. Toi qui? Vous les qui? Et tu fais partie de l'équation. Non seulement tu ne fais pas partie de l'équation, mais je ne t'oblige pas à faire. Vous savez ce que c'est la liberté? Par tous les diables. Il y a combien de partis politiques au Cameroun? Il y a combien d'associations? Lorsqu'une personne, un groupe de personnes crée l'association, elle te demande ton avis. Est-ce qu'elle te demande ton avis? Hein? Port de l'Ouest, tu es arrivé ici avec tes t-shirts, avec un nom de parti politique dessus. Hein? Avec une démarche partisane dessus. Nous autres, si n'avons pas tontiné, nous autres, si n'avons pas tontiné, toi qui dis que ça apporte la division, quen, 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 toujours en train de déchirer les noms des gens, voilà que tu viens de venir commencer ta part ici. Hein? Voilà que tu as encore à voir mon tarot. Port de l'Ouest. Est-ce que nous n'avons pas tontiné ici pour tes t-shirts? Moi-même, j'ai mis l'argent dedans. Pourtant, je ne tontine pas pour tout. J'ai mis les dos dedans. J'ai même lutté. Hein? Nous les Wayo-Wayo-là, nous n'étions pas tous d'accord. Mais nous avons tontiné. Parce que chez nous, c'est la démocratie. Ceux qui voulaient ont tontiné. Tout le monde n'était pas d'accord. Même moi, même si que tu as ramassé, comme tu as souvent ramassé comme le poisson pourri, j'ai tontiné. J'ai tontiné. T'es remis 400 euros. Tu sais combien moi j'avais mis dessus? Hein? Ce jour-là à Paris, j'étais d'une donnée 400 euros. Tu sais combien moi j'avais mis dedans? Hein? Moi qu'on dit détester et ici et ça et ça et ça. Hein? Dis-moi. Parce que vous êtes toujours là en train de dire coco, la division. Je te dis que c'était en discussion. Il y en avait qui disaient que nous, on ne veut pas. On leur a dit que hey, c'est la démocratie. Si tu veux, tu tontines. Si tu ne veux pas, tu ne tontines pas. Et nous t'avons remis 400 euros. Tu penses qu'il y a combien de, il y avait combien de personnes dans le groupe là? Tu penses que combien de personnes ont tontiné? Hein, mon frère? Quand vous ouvrez souvent vos bouches là, quand on dit à gauche, à droite, oh, voleuse de litchis et tout ça, tu leur as dit que voilà, on a levé les fonds là-bas, on m'a donné 400 euros. On est venu dire là-bas que tel a dit, tel a voulu donner, tel n'a pas voulu donner. Il a tendu ça, il te donne la liste de ceux qui avaient tontiné. Tout ce que tu sais, c'est que nous avons tontiné. Hein?
Mais quand tu arrives à un carrefour, on nous déchire, tu es trop fort. Pourquoi tu n'es pas venu dire, tu n'es pas allé dire aux Camerounais que oh, les gens que vous voyez là, finalement, hein, même si une partie n'est pas d'accord, même si des fois ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec, mais ils vont quand même accompagner la démarche. Hein, port de l'Ouest. Nous autres ne bavardons pas. Il ne faut pas croire. Hein. Nous t'avons demandé le reste. Tu nous as vu nous mettre devant toi pour demander le t-shirt. Hein? Port de l'Ouest. 400 euros. Nous t'avons même demandé combien de t-shirts tu vas sortir avec 400 euros. Là. Nous avons même vu l'ombre du commencement, du début d'un t-shirt. Tu nous as vu à ta porte. Parce que vous aimez souvent diaboliser d'autres personnes. Hmm? Les choses que tu écoutes là, on met combien dedans? Hmm? Pas de l'Ouest. Non, non. Il faut abuser. J'aime bien ceux qui diabolisent les autres. Mais c'est pour toi. Là. C'est parce que tu viens juste de trébucher là. Tu te ramasses. Abîme tes foies. Abîme tes. Il faut souvent leur dire. Pas de l'Ouest. Nous, si nous t'avons demandé un seul t-shirt. Hmm? Moi, si j'ai dit que, ah, c'est pas perdu. Un jour, il en aura besoin. Il sortira ses t-shirts. J'accompagne une démarche, je tourne mon dos. Après, c'est toi, tu es maître de ta démarche. Je ne fais pas de procès, j'en ai rien à battre. Le sens des responsabilités. Mais quand il faut me traiter de voleuse de lichet, vous êtes très, très fort. Parce que toi, là, hein? Toi, là, même à mes soeurs, là, je ne suis pas allée dire que oh, j'avais rajouté de l'argent dessus. Officiellement, je t'ai donné ce qu'il y avait dans cette cagnotte-là. Non seulement je n'ai pas enlevé les frais, mais j'ai rajouté ma part par-dessus. Oui, parce que GoFundMe coupe les frais. Je n'ai même pas enlevé les frais. J'ai rajouté ma part par-dessus. Non seulement j'ai rajouté les frais. Donc je t'ai donné ça comme centrée. Plus ma part. Comme vous aimez diaboliser les gens, vous pensez que la femme que je suis tient aux propos qui sortent de vos bouches. Que quand je me regarde dans les miroirs, j'entends ce que Port de l'Ouest dit de moi. Mort de rire. Il faut souvent mal venir ici sur mon direct. Le jour où tu me trouves mal luné là, hein? Est-ce que je t'ai injurié? Mais viens te laver. Est-ce que je t'ai injurié là? J'ai dit un gros mot là. Viens te laver. Je viens te mettre devant tes responsabilités. Tu viens parler de division ici, que je t'ai imposé quelque chose. Nous qui apportons, vous apportez toujours la division. Le camin irresponsable qui sort des choses comme un père sortirait d'un derrière. Vous apportez toujours la division. Nous vous disons aussi que nous, on a nos cartes derrière. Vous voyez, on pourrait même les vendre pour 1 euro symbolique, dis donc. Hein? Est-ce que tu as dit à tes frères alors que... Et c'est Clou Amang Dibank qui a apporté le projet là. Hein? Pépin le bref, c'est lui qui est dehors avec nos noms aujourd'hui. Oui, c'est Clou Amang Dibank qui avait dit, oh oui, oui, est-ce que nous pouvons, machin, vraiment, il a besoin de nous. Pourquoi tu n'es pas allé voir ceux qui ne prennent pas la division? Pourquoi tu n'es pas allé voir les membres de ce parti politique, eux, qui ne prennent pas la division? Tu étais bien content qu'on lève ça. Tu as pris avec les deux mains. Par contre, tu as dit merci, je ne vais pas dire le contraire. Non, tu étais bien reconnaissant. Mais quand tu as voulu faire tes t-shirts là, tu n'es pas allé voir ceux qui prônent l'union. Tu es venu voir ceux qui prônent la division. Comment on peut dire la chose et son contraire? Comment est-ce qu'on peut penser la chose et son contraire de certaines personnes? Tu es en train de nous diaboliser. Nous avons, nous autres, la joie de vivre. Hein? Hein? Nous sommes même de gros enfants, des fois, on sort des choses, mais d'une stupidité. Ah, mais c'est la vie, quoi. C'est la vie. Des fois, nous racontons nos petits malheurs, des fois, oui, c'est la vie. Mais tu es là, tu nous diabolises. Mais quand tu as eu besoin, quand tu tends de la main, tu es venu voir les gens qui divisent. Port de l'Ouest, je te dis là, ici, là, que nous n'étions pas tous d'accord. On aurait pu se caler sur la décision de ceux qui ne voulaient pas. Mais nous avons dit que, ah, chacun est libre. Moi qui suis assise ici, j'étais pour la première seconde. Va demander à Pépin le bref. Va demander à Pépin le bref. Dès qu'il a posé, il était dans le groupe.
Aujourd'hui, vous diabolisez les gens. Dès qu'il a posé, elle dit que, ah, moi, je n'ai rien contre. Tontinant. Ça a été mis en discussion. Finalement, nous avons tontiné. Hein? Ta part de litchi, là, elle n'a pas voulu. Hein? C'est moi qui avais ouvert le GoFundMe. C'est moi qui avais ouvert le GoFundMe. C'est Bandier, ça. Vous aimez diaboliser. Moi, je ne parle pas beaucoup. Hein. Mais il y a des moments où je suis vraiment saturée. Il y a des moments où je suis saturée. Oui, toujours. Oh, ouais, vous qui vous divisez toujours à quelqu'un. Donc, nous donnons nos avis. Et croyez-moi, chez nous, c'est la démocratie. Cabinet médical. Chez nous, c'est la démocratie. Nous qui divisons donc, pourquoi est-ce que nous avons été là quand tu as eu besoin que tes propres frères soutiennent ton projet? C'est nous qui t'avons dit que non, ton dessin là n'était pas terrible, il fallait le refaire, non. Et qu'il était justement, qu'il était partisan. Tu as débarqué avec une espèce de photo, je ne me souviens plus. Mais le fond n'était pas mauvais. Malolo que tu vois, c'était pour. Malolo aussi était pour. Elle a lutté. Malolo que tu vois là, Loris là, elle était pour. Elle a lutté pour la tontine là. Hein? Vous aimez cataloguer les gens que vous ne connaissez même pas. Est-ce que tu t'es intéressé? Tu t'es posé la question. Ça t'a pas étonné. C'est comme avec la cagnotte de Martin Tajo. Qu'est-ce que certains n'ont pas dit sur ça? Il y en a qui disent même que Martin Tajo et nous avons volé l'argent, avons bouffé l'argent, nous ne sommes pas partagés l'argent. Certaines personnes sont allées jusqu'à bloquer la cagnotte. C'est nous qui divisons. Hein? Quand Martin est venu parler de son problème, là, nous autres avons demandé notre reste. Est-ce que nous nous sommes dit que Martin nous avait lavé comme si nous sommes des poissons pourris? Hein? Ou comme si nous étions des poissons pourris? Est-ce que vous pensez que pendant une fraction de seconde, j'ai dit bien fait à toi, Martin, parce que lui et moi, nous étions effrités un jour sur quelque chose de précis? Pourquoi est-ce que certains sont aussi malhonnêtes? Beaucoup ont été étonnés, sinon. Les qui encore? Ce sont ceux qui disent que oh, vous êtes, c'est vous qui divisez. C'est vous encore qui êtes allé signaler la cagnotte de Martin Tajo. Beaucoup de l'autre côté. On dit, oh, c'est Karine qui m'achète. Moi, je ne vais pas tontiner parce que c'est Karine qui porte. Ah, pec, 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 pec. Pourquoi est-ce que c'est vers nous, quand nous t'avons tendu les 400 euros là, pourquoi tu n'as pas dit que c'est vous qui divisez, moi, je ne prends pas? Hein? Il faut être honnête. Hein? Il faut être honnête. Il y a des moments où la mauvaise foi devrait avoir des limites. C'est bien beau de diaboliser, mais quand vous voulez diaboliser, il faut aller jusqu'au bout de vos démarches. Il ne faut pas seulement venir vers nous quand vous voulez que nous soyons solidaires. Parce que dans tout ça, vous êtes meilleurs que nous. Vous ne diabolisez pas, mais c'est nous qui sommes solidaires. Les gens avec lesquels tu chemines là-bas ne t'ont pas géré. Ils sont plus nombreux que nous. Hein. Soit dit en passant. Comme quoi, ce n'est pas le nombre. Ce n'est pas le nombre le plus important, c'est l'implication. Pourquoi est-ce que tu n'es pas allé vers ceux qui ne divisent pas? Dis-moi. Tu es là où on est en train de nous bâcher. Pourtant, tu sais très bien que tout ce qu'on raconte là-bas, à 99,99%, c'est de la merde en bocal. De gros mensonges. Mais tu es là-bas. Pour venir me dire ce qu'elle divise. J'ai dit qu'il y a les cartes là, Wayoni. Si tu veux la carte. Et pour commencer, c'est quelque chose de fun. Hein. Mais vraiment, c'est oui, mais ça nous fait plaisir. Parce que c'est à cause justement du fait que certaines personnes en cataloguent d'autres que nous sommes aujourd'hui des Wayo. Nous ne nous sommes pas baptisés Wayo. Lui, c'est Kemta qui nous a traités de Wayo. Nous avons pris avec les deux mains.
Nous avons pris comme ça là. Avec les deux mains. Et pour nous aujourd'hui, c'est une façon d'encaisser tout ce que l'autre nous oppose de négatif. C'est une façon d'encaisser. Donc il faut prendre ça pour ce que c'est. Voilà. Il faut prendre ça pour ce que c'est. Nous ne sommes pas meilleurs que d'autres personnes et nous ne sommes pas pires que d'autres personnes. Mais nous, au moins, nous avons le mérite d'être solidaires. Pourtant, nous chamaillons, et c'est la magie, vous ne pouvez pas savoir. Nous chamaillons énormément. Mais quand un ou une d'entre nous est au sol, les autres viennent soulever, quitte à retaper après. Eh oui. Donc, vraiment, tu es très mal placé. Très, très mal. Ceux qui ont la grande bouche là, qui parlent très fort, nous aimons, nous aimons, nous aimons. Nous avons une grosse tontine ici. Vous savez combien j'ai mis dedans? Des choses que je ne fais pas pour moi-même. Moi, la grande détourneuse de l'Itchi là. Vous savez combien j'ai fait entrer dans Survival? Que je me suis amise comme ça. L'argent là n'a jamais traversé mon compte. Ça allait direct dans ce vivant. Vous savez, je parle de milliers d'euros. Hein. Pour grande bouche là. Je parle de milliers d'euros. Rien que les masques. Quand ma Nandi m'a mis donné les commandes comme ça, elle dit Maman Sarah. Rien que les masques. Vous êtes là, vous venez souvent l'ouvrir. Vous voulez toujours que les, on vous rappelle que. Vous voulez toujours qu'on appuie sur. Voilà ce que j'ai fait. Est-ce que tu avais vu? Non. Vous voulez qu'on vous vienne toujours se vanter? Moi, si j'ai fait entrer des milliers d'euros dans Survival. Vous vous ouvrez la bouche. Voleuse de litige. Voici l'argent que cette page génère. Vous savez combien j'ai gagné à Mala? C'est l'argent que cette page génère. Et vous ouvrez votre bouche. Que si j'ai besoin d'argent, là, je dis que, pardon, désormais, même si c'est 500 euros qui entrent le mois, et vous virez ça à mon compte, rien ne va faire. Rien ne va faire. Je vous dis, même si c'est 500 euros, vous imaginez fois 12. Fois 12, c'est pas petit. Pourquoi moi aussi voyager en classe, même si c'est pas business. Je pourrais quitter la classe éco et voyager même en premium, là. Bindi. Biniment. N'importe quoi. Vous allez apprendre à respecter les gens. Non. Port de l'Ouest, tu vas apprendre à respecter les gens. Parce que je n'ai pas venu te rappeler ici que le respect est mutuel. De la même façon qu'on ne te juge pas, même si elle te wash ici, elle ne te juge pas. Si tu as besoin d'aide et que je veux t'aider, ce sera sans amertume, rien du tout. Je vais pas te... Non. Non. Voilà, tu ne savais pas que dans ton histoire de t-shirt, là, j'étais parmi les premières à dire que non, on tontine. Lutter pour qu'on tontine. Crier même fort que... on doit tontiner. On doit le soutenir. Non. Toujours en train de diaboliser. Là, vos soeurs, là, elles ne vous disent pas. Celles qui faisaient partie de la dîme, elles ne vous disent pas. Que elles n'ont pas tontiné. Que ce sont celles qu'on catalogue tout le temps, là. Qui ont tontiné, qui ont lutté pour qu'il y ait la tontine. Allez. Mais ma Josiane, c'est comme ça, non? Nous autres, là, nous sommes les mauvaises de la chose, mais quand il faut porter, nous prenons, nous mettons sur nos têtes. Oui, mais quand c'est pour nous diaboliser, que les deux, là, elles sont méchantes, elles oublient que, parlant même de cette méchanceté-là, c'est tout, très souvent, retour à l'expéditeur. Très souvent une réponse. Et que quand il faut devenir sérieux même, on met de côté. On met de côté tout ça. Les malentendus, tout ça, on met ça de côté. On dit, nous sommes ici pour notre pays. Si ça peut aider, allons-y, soutenons. Nous, on ne parle pas haut. Je vous le redis, nous, on ne parle pas. Il vous dit que Laurie, si. Laurie fait partie de ceux qui, dès que le Pépin le bref a apporté ça, oui, dit banque,
Dès que Dibank est venu dire que, oh oui, vraiment, j'ai quelque chose à vous soumettre et tout, Lorissi était parmi les premières à dire que, oh, on doit tontiner. Mais il y en a qui l'a ou le. Je ne sais pas, apparemment, c'est une hermaphrodite. Je ne savais pas qu'un jour j'allais tomber sur une hermaphrodite. Apparemment, elle est. Donc, maman, tu n'as même pas besoin de conjoint ou de conjointe. Tu peux t'auto-féconder. Allez, la famille. Hein? C'était juste un petit rappel à l'ordre. C'est vraiment ce qu'on appelle, ce sont des... C'est pour rigoler, hein, les histoires de cartes là, mais ça nous fait plaisir. Parce que ça nous... C'est la preuve de notre endurance. La preuve que nous ne sommes pas des personnes qui chipotons. Quand tu veux verser la saleté sur nous, nous transformons ça en diamant. Parce qu'à nous traitant de wayo-wayo là, il y en avait qui pensaient que oh, on allait tous avoir honte. On a... Oui, nous sommes des wayo-wayo. Next. Allez, la famille, je suis debout. Hein? Et ça va bien, ne vous inquiétez pas, sincèrement, pas du tout. Le chien qui aboie ne mord pas. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Merci pour les étoiles. Je ne sais pas qui vient d'envoyer des étoiles, mais merci tout plein. Allez, cette fois-ci, là, je ne reviens pas sur les Amazones avant lundi. Hein? Je serai sur les Valkyries ce week-end. Sincèrement, il faut que j'active cette page-là. Abîme tes foies. Je suis trop paresseuse. Allez, retour à la vie quotidienne. Tenons bon, la famille. Seule la lutte libère. Ciao, ciao.